laisse battre dans la caille. Regardez qui ça exode fait la caille. Regardez qui est battre dans la caille. Bonjour, chers téléspectateurs et spectatrices de la radio Télé-Statée. Aujourd'hui, nous sommes très, très, très heureux et d'avoir avec nous cinq jeunes étoiles de la ville de Cap-Aubert du Nord pour une émission à la radio Télé-Statée. Je crois que ces jeunes, vraiment, ont déjà commencé à faire une grande différence dans la ville. Dans la ville de Natal, mon syndicat haïtien, ou bien dans le département du Nord. Et aujourd'hui, ils ont parlé un peu d'eux, de voir les problèmes et les défis qu'ils rencontrent dans la société, et dans la société capoise, ou bien dans la société du Nord, et leur rêve aussi pour l'avenir. Qui va nous faire maximum que je dis à que nous portons, que nous gagnons 5 étoiles, 5 étoiles, et maintenant, ou bien, du Cap-Haïtien,
pour entretien dans la radio Télé-Cité. À tout Seigneur, tout honneur, je vais commencer avec ma présentée et ma présentée Présil. Ma présentée Présil, pourriez-vous nous dresser un bref portrait de vous, c'est-à-dire que votre ville natale, les études que vous avez faites, et aussi, quelles sont vos joies et autres comme une jeune fille qui vit au Cap-Haïtien. Bonsoir tout le monde, mon nom est Paul Massa. Je suis actuellement une étudiante, vraiment étudiante conscience de la situation au Cap-Haïtien, situation nationale. Je ne suis pas inscrite à l'université. Je projette bientôt faire des études en business management. Et une fille, être une fille au Cap-Haïtien, c'est aussi fragile. Parce qu'une fille susceptible d'être attaquée, peu importe où l'on est, donc une fille au Cap-Haïtien, c'est comme un danger, comme un problème. Voilà. Mais vous êtes née au Cap-Haïtien, hein? Bien sûr, je suis née au Cap-Haïtien et je suis au Cap-Haïtien. Vous êtes une capoise pure laine. Oui, effectivement. Bon. Et vous, et Maki? Bonjour. Moi, je suis Marc Lichal. Je suis étudiant en sciences administratives et j'ai fait mes études au Collège Saint-Joseph du Cap-Haïtien. Bon, comme disait Marlissa, c'est assez difficile d'être jeune au Cap-Haïtien parce que la situation ne nous favorise rien. Bon, pas grand-chose, disons. Mais avec les moyens du bord, on se débrouille. Bon, qui est déjà bien, parce qu'il faut être toujours optimiste, tout va bon. Il faut prendre de risques. Parce qu'on dirait qu'il n'est rien. Oui, et vous, mademoiselle Reina? Bonsoir tout le monde. Et je suis Kavnor Sofia Reina. Et je viens de terminer mes études secondaires. Et actuellement, je suis étudiante en sciences infirmières. Et concernant la situation actuelle du Cap, et c'est vraiment pas génial, c'est parce que être une fille au Cap-Haïtien est assez difficile. Bon, pas seulement au Cap-Haïtien, mais on peut dire que en Haïti, je sais que la situation est très, très, très difficile. C'est un peu partout, mais quand même, vous avez aussi les études, ça ouvre toutes les portes, et même la porte du ciel. Oui, normalement. Mademoiselle Pierre et mademoiselle Pierre, c'est ça? Oui, c'est ça. Oh, oui. Je me présente, je suis Myrna Pierre, finissante, étudiante en première année à l'UNDH. Et comme l'ont déjà dit les autres, la situation actuelle du Cap n'est pas vraiment sécurisée. Et que, mais je pense personnellement que c'est mieux par rapport aux autres zones du pays. C'est difficile, mais on s'y fait. Je suis étudiante en première année en administration. En administration, bon. Jusqu'ici, je comprends bien, là, tous ces jeunes-là sont à l'université, hein? Mais qui est... Presque toutes. Presque tout? Oui. Qui n'est pas à l'université en ce moment? Je pense que c'est Présil et Jean-Baptiste, mademoiselle Jean-Baptiste. Je suis Nevelus Schreiber, je suis finissant, je suis en première année d'administration à l'université publique du Nord Cap-Haïtien en administration. Mais vous, continuez. Oui, je suis né capois. Et jusqu'à présent, je suis un Cap-Haïtien. Et quoi d'autre? Et pour parler jeunes et au Cap, je dirais d'une certaine manière que, comme dit, c'est pas parfait, mais je trouve quand même que c'est bien.
Je trouve que ça passe. Oui, parce que bien que c'est vrai que qu'il n'y a pas que que la sécurité est basse, non. Et on peut dire que d'une certaine manière, et c'est mieux ici. On est nettement plus à l'aise et pour sortir. C'est sûr. Bah oui. Et mais pour le cap là, on n'a pas de problème d'allaitement. Pour le moment non. Pour le moment non. C'est à dire qu'on peut sortir à n'importe quelle heure. Que bon. Non, aucun problème hein, pour sortir à les occupations. Non, je dirais plutôt que, comme le proverbe le dit si bien, c'est mettre quoi qui veut quoi. C'est-à-dire que actuellement, là, pas vraiment, ouais, crie toi, toi, après, quand on est arrivé. Mais sincèrement, je pense que la situation est mieux par rapport à l'autre zone pays. Par rapport à l'autre zone pays, bon. C'est déjà un point très, très, très pour, et positif pour le Cap. Bon. Oui, c'est ainsi. Bon, oui. Bon, ça, c'est sûr. Bon. Bon, qui d'entre vous peut nous faire un bref portrait de la jeunesse capoise? Et de la jeunesse capoise, c'est-à-dire que, on va dire, dans ce portrait, que bon, là, il faut identifier les problèmes, les défis, et même les rêves des jeunes du Cap. Bon, parce que je sais là que j'ai avec moi 5 étoiles. Oui. Vous pouvez commencer par Mme Irina. Ben, et je dirais que, bon, la jeunesse capoise, aujourd'hui, est face à une multitude de défis. Premièrement, je pense qu'après avoir terminé ses études classiques, normalement, et le premier problème qui se pose a été le problème d'université parce que bon nombre d'étudiants devraient monter à Port-au-Prince pour continuer les études. Pour choisir une université parce que normalement au Cap, il n'y a pas toutes les options. Et puis, à cause de la situation du pays, et à Port-au-Prince, il y a un problème d'élèvement, etc. Donc, bon nombre de jeunes ont dû passer outre et le métier qu'ils voulaient pour prendre quelque chose d'autre. Oui, mais pendant que le jeune peut toujours passer outre de ce qu'il voulait, mais il doit choisir aussi un métier, il sait qu'il va trouver un emploi rémunéré aussi. Et je sais que le marché du Cap est très, très, très petit, d'après ce que j'ai entendu. Oui, le marché du travail. Oui, normalement, c'est un marché très petit. D'ailleurs, lorsqu'on a terminé ses études et on doit se déplacer ailleurs pour aller trouver un travail, c'est un problème. Bon, c'est bon. Si, mais quand même, mais il ne faut pas oublier aussi, le hasard ne favorise que les esprits préparés. Et que se déplacer, ce n'est pas un problème, mais il faut avoir quelque chose et en mer pour se déplacer aussi. Parce que si on se déplace, tu vois, vous voulez trouver un emploi, vous n'avez pas une profession pour lui. Et bon, c'est quand même dur parce que même dans les pays étrangers, tu vois, bon. Si on vient, on a une profession, là, pour certaines professions, et on peut toujours se recycler, mais pour d'autres, il faut vraiment recommencer à zéro. Ça, c'est très, très, très dur aussi, tu vois, bon. Parce que quand même, la vie est à l'étranger, même si c'est très bien en Haïti, il va vous dire, c'est pas toujours vraiment de l'eau à boire, la vie à l'étranger. C'est une vie qui est très, très, très pénible aussi. Et bon, lorsqu'on n'a pas de papier, et même si on a des papiers, si on n'a pas une bonne profession aussi, tu vois, bon,
ce n'est pas facile. Oui. Oui. Mais je crois que mademoiselle Pierre, vous voulez ajouter quelque chose ou bien? Mademoiselle Pierre? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Elle a presque tout dit. Elle a presque tout dit. Et vous, mademoiselle Pierre? Sauf que. Sauf que je pense que au Cap, le problème c'est que c'est vraiment les choix d'études sont vraiment restreints et on n'a pas beaucoup d'options. C'est soit on choisit ça, soit on choisit ça. C'est le problème pour nous autres étudiants. Bon, cela dit que vous n'avez pas beaucoup d'options, hein? Non. C'est plus ou moins très strict. Oui. C'est pour cela que je pense que la plupart des élèves auraient préféré aller étudier ailleurs afin de pouvoir étudier ce qu'ils aiment vraiment. Bon, oui. Bon, c'est toujours bon d'étudier ce que vous aimez. C'est toujours bon. Parce que là, même si on est économe, on va mettre vraiment. Et ton cœur et ton énergie, tu vois, dans ce que tu aimes, parce que tu n'aimes pas et une profession, c'est déjà un défi, et bon, un problème, quoi. Mademoiselle Jean-Baptiste? Oui. Bon, oui, bon, Jean-Baptiste. Bon, est-ce que vous vouliez vous présenter brièvement aux téléspectateurs et chercheurs de la radio de la Solidarité? Oui, je suis Jean-Baptiste et bien quand là. J'ai 19 ans et je suis au Cap-Haïtien. Et vous êtes un peu originaire du Cap-Haïtien ou bien vous vivez au Cap-Haïtien? Originaire du Cap-Haïtien. Vous êtes originaire du Cap-Haïtien? Oui. Bon, c'est beau de savoir que vous êtes maintenant Jean-Baptiste. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? En ce moment, je suis en attente des universités. Jusqu'à bien, vous avez terminé vos études secondaires. Oui. Et c'est où ça, où vous avez fait vos études secondaires? Au collège Jésus à Sonda. Au collège Jésus à Sonda. Bon, parlez-nous un peu de vos expériences au collège Jésus à Sonda. Au collège Jésus à Sonda. C'est une école congréganiste dirigée par le soeur de Saint. Le soeur de Saint quoi? Oui, allô? Excusez-moi, vous m'entendez? Oui, continuez. Je fais partie de vous. Alors, c'est une très bonne expérience. Je fais des formations de famille. Et vous n'avez rien à ajouter? Bon, le problème et le défi des jeunes du Cap-Haïtien. Monsieur Nevelus? Bon, qu'est-ce que je dois dire un peu? Oui. Vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. Ok. Qu'est-ce que... Ok, allô? Oui, on est là. Et je vous écoute. En parlant de défis pour la jeunesse capoise,
Je crois plutôt qu'on veut parler des différents problèmes qu'il y a au Cap. Et bien sûr, l'esprit vient de donner un exemple de problème, mais il y a beaucoup d'autres problèmes, comme par exemple l'environnement assez déplorable et le fait de la valeur ou bien un aménagement du territoire très mal fait. Et le déboisement ou bien la de construction, comment dirais-je, de mauvaise construction, que ce soit près des ravins ou bien dans les morts. Alors, le problème ou bien les défis du jeune Capoua sont assez conséquents. Mais le plus gros problème, c'est que les jeunes qui sont les jeunes caprois, on va dire, qui sont doués de pouvoir mental ou plutôt de package intellectuel et pour résoudre ces problèmes, on va dire qu'ils ne vont pas vraiment rester. C'est là le plus gros problème. Parce que ce soit au Cap ou bien peu importe l'endroit en Haïti, la majorité des jeunes s'en vont. C'est ce qu'on appelle la fuite de cerveau, je crois. Mademoiselle Brésil? Je sais pas. Oui, quels sont, selon vous, les grands problèmes et les défis des jeunes filles? Je sais que pour une fille, il y a déjà la régression, parce que malgré tout, si on est dans un monde bloqué, toujours le bêtisme, où les garçons se rament, dans le monde de l'église, jusqu'à les filles bonnes assez à la maison, et que l'éducation n'est pas pour elles. Et alors, il y en a certains qui ont de chance d'être éduquées. Une plus grande fille en que jeune et en tant que femme, que tout le monde repose sur toi. Une fille qui se doit d'être parfaite, éduquée pour pouvoir trouver un travail bien payé pour pouvoir rendre au ciel. C'est un grand problème. Et aussi, il y a tant de toutes les autres personnes disent que le lit repose sur les jeunes. Alors, eux, ils ne font rien. Et les jeunes, par exemple, sur ce que l'on donne. Donc, pour moi, ce sont deux plus grands problèmes. Une fille et un jeune peuvent rentrer dans sa vie. Bon, et vous, Mme Lina? Allô? Oui, et vous? Et... Oui, vous pouvez continuer? Vous pouvez reprendre la question? Quels sont, selon vous, les problèmes et les défis des jeunes filles du Cap? Bon, normalement, je pense que les jeunes du Cap sont confrontés à de nombreux problèmes. Et je pense qu'il y a, en fait, un manque. OK, on sait tous que l'éducation est au premier plan. Et je pense qu'il y a un manque d'activité littéraire afin de et un manque de je dirais de sensibilisation. On devrait plus sensibiliser les jeunes et afin de les forcer ou à poser les gros problèmes et à les résoudre. Et je pense que la jeunesse capoise de nos jours s'intéresse plus aux activités, je dirais, et aux différentes festivités comme le carnaval ou plutôt programme, bal, etc. Et il n'y a pas vraiment d'activité littéraire, il n'y a pas de groupe qui pose les grands problèmes du Cap et il y a aussi un manque de groupes qui prennent conscience des problèmes du Cap afin de les résoudre. Bon, en fait, c'est quand même une très bonne réponse. Mademoiselle
Pierre, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je pense que c'est ça. En fait, on manque d'encadrement nos autres jeunes, alors que la société nous met là pour nous mettre beaucoup de pression parce qu'ils pensent que l'avenir, c'est nous, demain, c'est nous et tout. Par contre, on doit d'abord nous encadrer afin que demain puisse être meilleur. Voilà ce que je voulais ajouter. Oui, parce que là, vous parlez du problème d'encadrement. C'est à quel niveau vous manquez, vous savez que vous manquez d'encadrement? Niveau intellectuel, culturel. Par exemple, il manque de bibliothèque à la ville et dans la ville. On n'a pas vraiment d'activité intellectuelle, par exemple, théâtre, club littéraire et tout. Et je pense que d'abord, on devrait nous encadrer là-dessus et ensuite attendre et de nous de vrais modèles pour demain. Bon. Et je voudrais ajouter quelque chose aussi parce que au niveau de l'encadrement, parce que je me souviens que lorsqu'on était à l'école, on avait monté un groupe pour le reboisement et c'était peu de gens qui voulaient contribuer ou qui trouvaient notre projet et bien pour la ville et qui voulaient contribuer pour nous soutenir. Donc, à un certain moment, on a été découragés et je crois que le projet a fini par tomber à l'eau. Le projet a fini par tomber à l'eau, hein? Et je crois aussi avec ce groupe, on décide de prendre à la mairie, la mairie va tuer le groupe. Et quand on demande ce qu'on que l'on n'a pas, on n'a que baisser la. Et c'est ce qui arrive avec tous les gens. Avec un groupe de soutien et assistant, il blèvera. Bon, parce que le dégagement, c'est quand même si il y a l'actualité. Mais est-ce qu'il y a quand même un groupe qui s'en occupe au Cap-Haïtien du problème de déboisement que Bon, à l'école, on avait fait un groupe qui s'appelle le Traver-Traver et qu'on avait sollicité beaucoup d'aide, par exemple la mairie, l'école et tout, mais on n'a pas réussi. On était obligé de baisser les bras. Baisser les bras, mais il ne faut jamais baisser les bras. Tu vois, bon. Parce que moi, j'ai lu un livre, on a dit, c'est pas toujours les plus intelligents qui réussissent dans la vie. Ce sont les gens, bon qui persévèrent beaucoup, mais les plus courageux. OK, c'est sûr que dans la vie, il y a toujours des échecs. Mais même avec un échec, on peut avancer. Tu vois, si on sait pourquoi, souvent on a échoué, tu vois, bon, on peut avancer. Parce que quand même, le problème de reboisement, c'est quand même un grand problème qui a été confronté aujourd'hui, vraiment. Parce qu'on coupe les pieds bois, on ne les remplace pas. C'est quand même un gros problème. Le plus gros problème, c'est que quand la pluie tombe, et le cap ne peut pas tenir environ 3 minutes de pluie. Parce que quand la pluie tombe, il y a le déboisement, il y a l'eau qui coule, qui descend avec les terres et qui descend avec les immondices et tout ça. Et qu'on a on a la rue qui est vraiment impraticable quand la pluie tombe. Le cap, on ne peut pas tenir avec même 3 minutes de pluie. 3 minutes de pluie, hein? C'est très, très, très difficile. C'est très grave. Quand il y a de la pluie au Cap, on est obligé de fermer les écoles. Fermer les écoles, hein? Avec, oui. Même si c'est pour 10 minutes. On est obligé de fermer les écoles puisqu'il y a inondation. Il y a inondation, hein? À travers les rues. C'est vraiment grave. Et bon, c'est très grave. Bon, maintenant, on va parler un petit peu le créole. Et j'imagine que tout le monde dans ce plateau parle le créole. Bien sûr. Bon, question d'âme peut être posée nous en créole. Bon, je dis que, en fait, est-ce que nous, comment dis-nous, nous sommes capables de lever, je dis. Parce que moi, nous avons pris le côté dans le pays,
que tu as beaucoup de presse, que vous avez manifestation. Est-ce que c'est cap à nous au cap? Si c'est pas cap à nous au cap, qui vient ça marcher vraiment plus? Et pour nous, est-ce que l'école est ouverte? Et cap à Haïtien, c'est aucun problème que tu ne veux pas aller à l'école. Est-ce que le business est ouvert tout? Et ça, aucun problème. Dans le moment que le pays a traversé, je ne veux dire. Bon, aujourd'hui, mon père sait que depuis hier, avec hier, nous nous sommes aussi chanceux parce que nous sommes que à me tenir en vidéo qui était dur à nous, c'est parce que les dirigeants nous ont parlé de sorte de moche parce que c'est un cadre fait, une question qui n'a pas le pays. Mais bon, je pense que ça fait un bon bagage que nous tellement pas habitué de moche parce que c'est vraiment en Haïti. Que même les méthodes de barrage, ça y est, c'est ça. Ça fait que je viens, je viens, et moi, je fais pas vraiment de mon mariage. C'est comme si les dimanches, j'ai un cap pour plein de monde, parce que les dimanches, plein de monde sont sur le cap. Ou pas vraiment, les femmes. Par contre, on ne peut plus pas, même parce que les gens qui ont fait, dans mon avis, il y a fait une marche, une manifestation, tout ça. Parce que ça passe vraiment pas bien, vraiment. Il y a pas si bien. Mais ça veut dire quand même que tout le monde n'a pas eu de manifestation. Bon, personnellement, pas vraiment de manifestation. C'est juste que tout le monde est là, ou pas sorti, ou éviter parce que je ne connais pas. Mais tout, je pense que pour l'activité, je pense que l'école l'ouvre. Bon, je dis à dimanche, je ne vais pas à l'école, mais au cours de semaine, je vais à l'école. Et que toute activité a été reprise. Sauf que, on connaît, depuis avec les manifestations, tout le monde est un petit peu peur. Bon, et de vous parler de manifestation, nous y attisons un peu, c'est ça? Oui, c'est bon. Ça. Bon, nous-mêmes, en tant que jeunes, parce que son pays, nous avons dit qu'il y a quelque chose là depuis que bloqué. Le bloqué, pays l'autre, et que, bon, problème de sécurité, etc. Qu'est-ce que nous avons ouais, nous-mêmes, et que pour Haïti, je l'ai juste dit. Les nous garder tout bagage que la vie et que la vie jeune dire qui ça que nous rêver et qui contribution que nous penser porter tout pour bagage ça va privé ça que nous dans mais ouais rêver comme si mon éclate à le pas faire de cette action qui peut pas faire. Sauf que le problème qui est au niveau national là, c'est comme si on était cadre ou heureusement on n'est pas ouéa parce que souéa puis grand jour même on dit donne game on c'est que ou on tire la gare et dit que en côte c'est un pile barré qui t'a supposé régler. Donc, un jeune a dit que ça va facile, parce qu'il y a corruption, il y a politique, il y a économie, il y a éducation, tout, qui cause que certaines personnes agissent de façon humaine. Donc, en tant qu'un jeune, moi, personnellement, je peux m'impliquer comme si dans la situation pays. En l'automne, j'ai toujours dit à tout le monde que l'Emerald, c'est moi qui président pays. Tout le monde te touche quand la dit président mais quand il m'a foutu qu'a dit nous encore pour que ça soit super ou venez parce que même propre monde qui a côté aussi comme si chapé monde ça ca effort en quelque sorte pour ban pas même donc c'est une situation qui fait tout le monde c'est pur vêtement donc tout le monde était géré à faire à côté et c'est entré dans sa capitale comme ça bon fort pour entrer tout en que c'est où monde qui ont pu. Bon. Oui, en fait, je parle de dire un petit bagage. Génération, c'est un peu que génération qui subit à cause de la réalité de l'homme, toujours des manifestations, toujours des bagages, l'école campée. Nous pensons actuellement, nous pensons que à nous, ça ne se passe pas. Nous sommes finis. Nous avons terminé. Nous avons terminé. Et c'était un des plus grands mesures pour obtenir ce monde. En fait, ce que je veux dire, c'est un bon petit bagage qui l'a fait sur le bagage à marcher mal. Mais parce que ça qui t'a vraiment beau, ça fait ce que t'as vraiment espéré pour un bon meilleur, c'est que tu t'as essayé d'avoir plus, t'as gagné plus de conscience. Parce que là, tout le bagage a commencé.
nous sommes tous les deux complètement notre rayon qui est bon pour le barrage qui pas marché bien. Parce que pour garder comme celle-là, ensuite, nous jamais les adhérents, comme si tu es un super parole, parce que l'éducation, la justice, tout ça va être un peu plus marché bien. Bon, moi-même, je pense que les filles ont quasiment tout dit. Donc, pas vraiment gagné, m'a pas ajouté. Bon, eh bien, on passe à l'autre question. Naturellement. Donc, qui rêve nous gagner, je le suis dit. En parlant de rêve, on va parler de comme si rêve nous gagner pour pays, pour non, villa pour, ou bien pour tête non. Pour tête non. Bien que ça pas ta supposé un rêve, imaginons que ou à vivre Haïti ou fait Haïti et que rêve on sait qu'il est pays. Il est bizarre, mais moi je crois que c'est tout ça nous. Par exemple, l'année dernière, nous subi un pile. Nous quasiment perdu une année l'école, que comme si il dure. Nous subi un pile de pays. Et que, sincèrement, par contre, cette madame a dit, bien si monsieur Charles a dit, mais Haïti va de mal en pire. Si tu vas pas avancer ou pas aucune lumière, pas parce que grand monde qui vraiment envie d'être là, sont vraiment bon rêve ou bien veut réaliser un bagage dans vie. Sauf que moi je crois que nous chaque nous t'aimer que comme si ça changeait. Pas t'aimer que tout monde qui derrière l'autre monde qui a venu a subi même ça nous même n'a subi dans pays. C'est vraiment ça. Bon, parce que mais non, oui, voilà, ajouter. En fait, pas du tout, c'est la réalité, bien aussi, mais malheureusement, c'est la réalité. C'est la réalité, hein? Bon, même Gabab dit nous, et nous connaissons une situation très 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 dure. Mais pas bien, nous sommes capables de changer pour nous tous si nous-mêmes, nous ne pas essayer de changer. Nous sommes capables d'aider nous à changer, mais dans la mesure que nous prenons devant. Et nous sommes capables de dire que c'est génial. Et nous sommes 40, 50, nous ne pas changer encore. Et que nous-mêmes, nous sommes capables de changer à partir des gens que nous allons prendre, éducation au sérieux. À partir des gens que nous allons développer en relation entre nous-mêmes, jeunes au sérieux et tout. Et dans la mesure où nous connaissons que Haïti, c'est un pays nous lié. Parce que oui, que bon. Et que malgré l'étranger, je ne vous dis pas. Peut-être que l'homme de la laïe nous, c'est le même rêve là qui me dégage tout. Qui vient à l'étranger. Mais si nous tous là disons que nous avons vivre à l'étranger, qu'est-ce qui va le développer comme Haïtien? Qui est-ce qui va le développer en l'autre côté dans le pays? Là, il y a des ressources, côté à venir. Je ne sais pas si nous passons avec ça. Là, fini tout, étudier à l'étranger et tout, il a toujours bon pour nous avoir une très bonne relation avec eux. Mais il y a là des gens qui ont fait des émissions avec eux. Il y a là des gens qui ont retourné pour venir mettre des compétences dans le service de l'IA. Et réellement, nous avons bien sur l'éducation. Et n'y a qu'un bagage au Philippe à joindre de vous l'éducation. Mais l'un des éducations, la éducation, éducation, parce que je dis à au moins faut former maîtrise. Quand on a un domaine où il y a, que vous voyez, bon, mademoiselle là qui est dans la signe, qui est dans la signe, je dis à que même nous, et que nous, et nous venons nous, Aïchien là qui vient de doctorat en la signe.
Mais c'est l'école là. Si nous connaissons l'école, nous avons droit. Et nous connaissons Cap, Bampi, nous sommes intelligents. Hein? Bampi, nous sommes intelligents. Que ça, que nous connaissons mon fils à Técapoise même. Bon. Parce que moi, je m'a ouri, je me dis ça. Qui ça veut dire ça? Bon, en fait, c'est vrai. C'est gay, soi-disant fierté christophienne là. On n'a pas un paquet de monde qui est fier, surtout là nous connaissons que nous avons un pile de monde qui a un cerveau, un pile de bon monde que nous fournit pays. Sauf que nous avons besoin d'aide, nous avons besoin plus pour nous continuer à fournir pays à cerveau que nous avons. Mais est-ce que vous avez appelé une cerveau ça? Parce que nous avons besoin de fournir plus pour avoir que moi-même à mon cerveau. Exactement, frère. Tout le monde t'a aimé comme si porter changement par le pays. Et que comme si nous-mêmes, tout, nous voulons comme si y a un cerveau et tout. Il y a ça tout que le fait que nous-mêmes, nous disons que nous voulons quitter le pays, mais nous ne disons pas que nous parlons totalement parce que nous voulons que nous parlons, Haïti a toujours un parti dans nous. Oui, parce que je suis dire que à l'énergie à tout, c'est pas pour vous décourager. Si nous venons pour les études, c'est une très bonne chose. Mais fin d'étudier, dans la Haïti sans papier, nous avons papier légal pour nous venir vivre à l'étranger. C'est pour un cadeaulier. C'est ça que je dis nous carrément. Ouais, parce que nous sommes capables de temps en temps pour fouler les gens. Mais de temps en temps pour fouler les gens. Il y a que monde qui a l'étranger qui va gagner la vie pour fouler Haïti. C'est mon cadeau lié. Parce que les gens qui ont l'âme capable de dire non, qui fait l'étude. Fait bon étude Haïti. Mais le fait que bon, bah, on n'est pas raison mieux pour l'autre, je tombe pas bon ici. Après, tombe sans papier. Avant que vous n'avez pas pied, c'est la devienne. Vous n'avez pas oublié faire. Parce que l'âme de bien. Et. Sous une machine, ou à plaver, c'est pas un gagné, ou à plaver machine, non. C'est là que, quand y a là, au bon diplôme universitaire, quand y a là, obligé que, selon Kawash, pour le travail. Vous obligé de faire parce que vous devez y avoir manger. Et, faut mettre des gâteaux. M'a connu, c'est le courant du magasin. Oui, mais, et ça me plaît ajouter tout, c'est, normalement, c'est faire son aimé, et ensuite, mettez au service de pays. Si moi, mais médecine, m'avais étudié médecine, ensuite, je suis non médecin. Et je suis peu importe, monter l'hôpital, etc. Mais le problème dans tout, c'est que c'est normalement, jeune, dit, ok, je suis médecin, et ensuite, il risque kidnapping. Bon, il y a kidnappé médecin. Donc, est-ce que je dois retourner? Donc, c'est ça. Et puis, je pensais que j'ai un peu tout, et par exemple, il faut une stabilité pour un pays avancé. Et je pense que tout bon monde, yo, mon honnête, yo, yo gen, on peur, yo dit que normalement, yo pas entrer dans la politique ou bien yo pas mettre mais yo dans barre ça parce que c'est un système corrompu. Et normalement, c'est action concrète qui pour mettre pays à de l'avant. Et je pense que c'est ça qui son problème tout. Parce que nous observons normalement que Genio est pas trop enclin à mettre main dans la pâte, dit, parce que Pifonaro dit qu'on va partir dans la politique, ou bien c'est dangereux, il peut mourir, il peut pas kidnapper, etc. Et normalement, le pays a besoin de stabilité économique, ensuite, pour tout barrer à marcher. Tout pays dans le monde, là, ben, exemple, là, normalement, c'est stabilité qui fait un pays avancer. Ben, oui, ça c'est vrai. C'est un très bon point que j'ai là. Et aussi, oui, et aussi, il y a le fait que comme si, jeune, nous-mêmes qui là, actuellement là,
avec tout ça, nous va vraiment des patriotes. OK? Nous pas vraiment des patriotes. C'est envie ensemble avec amour qui vous faire comme si au fin faut bagarre et que vous tournez. Et que d'un tout que changement, c'est pas un seul coup de changement porté, c'est chaque monde qui a porté par eux. C'est que comme si oui. Nous chaque pas même pour ton bagarre, mais comment on avait fait pour nous porter alors que gain sécurité et tout bagarre a parlé de mal empire, gain corruption et que comme si des citoyens honnêtes, yo même yo permettent maintenant mais dans la patte. Les victimes tout gain pour l'éducation tout parce que pour aider faut éduquer. Ou pas capable ça que va. Normalement. Parce que gain monde qui obligé à la corruption parce que imagine oh parce que là nous prend chambre que nous gain là. Donc le mieux ben si va tout bien. Ou des bombardonnés, ou des déjà font études universitaires. Mon qui dans la chambre, ou des études universitaires, c'est-à-dire que ça te gagne un avocat, te gagne, mon qui dans la santé, si tu as un dossier santé, au moins, quoi, va te dire que malgré que tu toujours, pas tout, gagne des experts avec vous, mais au moins, on est à avoir une idée déjà, on. La fille, que vous, pas capable de débuter tout pour gagner des millions. Il va que on va que c'est on va que bagaille et que n'a pas non et ça que moi même capable dit nous en tant que jeune et non on les a des petits nous regarder là pour nous changer bagaille ça bon ils ont ça des petits colliers et si nous pas changer il va beaucoup de tout faut nous travailler pour nous changer on va travailler pour nous changer bon parce que nous vivons dans la dernière minute et émission et est-ce que nous chaque la dernier mot. Bon, moi d'abord, qui dernier mot m'a bien. Bon, d'abord, qui dernier mot m'a bien. Ma première, ou même d'abord, qui t'a invité nous-mêmes, je me dis que ça nous passe. Et que nous avons demandé tout le monde qui attendait, c'est que vraiment réfléchir à problèmes qui posaient dans la ville, peut-être nous, problèmes qui posaient en face nous en tant que jeunes. Parce que, oui, nous voulons un changement. Oui, nous t'amènons nous-mêmes, nous portons un changement. Et que, comme si d'abord, c'est comme si nous jeunes aident. Et que, comme si, il y a une chance avec chance pour nous capables continuer étude nous chance comme si pour nous capables réaliser un bagage d'abord avec vie nous ensuite de ça nous réaliser avec vie nous pour nous capables réaliser un bagage dans entourage pas nous merci. OK mademoiselle Rina ma première vous-même spécialement pour invitation dans émission pour dire ça nous passer et dernier mot que m'te rajouter m'te dit que nous-mêmes jeunes nous conscients que défi a que nous gè jodi a énorme et que normalement c'est tracé avec travail c'est que nous capable changer situation et que nous espérer bon quand même nous gè espoir non un lendemain meilleur pour Haïti. Et mademoiselle Jean-Baptiste. Oui, en fait, même j'ai quitté la mairie nationale, merci pour vos privilèges, ça fait aussi nous. Nous pas vraiment bien opportunité, ça vraiment pour nous dire ça nous porte, ça nous a des petits problèmes que la société a mis des choses. Alors, moi, normalement, moi, je fais tout pareil, ça change aussi. Ok, et moi, prêt. Pour même moi, si j'ai échoué, pour moi, c'est ça, et de contribuer à ça. Et moi, je pense que c'est ça, on va nous aider, mais juste, pour que j'aille comprendre aussi ça, je pense. Surtout, avec tout le travail, ça, on va passer là, même pour aller à l'école, c'est le meilleur problème. Donc, je pense que même Jean, Mandela TV, l'éducation, c'est la base de la société. Donc, je pense que c'est ça, qu'on connaît ça, pour qui Jean, on connaît ça. Bon, en tout cas, monsieur Maki. Bon, moi-même, comme c'est tout d'abord un remerciement parce que c'est toujours un plaisir, c'est toujours une belle initiative. Là, il y a des gens qui offrent une possibilité d'un groupe jeune pour nous exprimer les problèmes nous gagnons, ça nous permet de changer, ça nous rêve, nous, tout ça. Donc, mon femme, c'est un grand remerciement à vous-même qui dépend de l'initiative là. Ensuite, mon femme, c'est que nous avons invité le monde comme si nous avons de nous pour comme dégager ça. En façon, comme si vous mettez même en place là, comme si nous-mêmes pour nous changer la situation.
Parce que, bon, pendant que je parle avec nous là, vos manifestations sont pas assez. Donc, c'est tout ça comme si qui quotidien nous en Haïti. Donc, c'est toujours bon là, vous permettez de vous en exposer. Merci. Bon, pas bon, vous avez mal. Parce que si on fait une autre façon, on n'est pas même écouté. Parce que Dieu et moi, va être à mon côté, toute jeune qui va être une mission, c'est que pour ne pas abandonner. Même si on nous dit qu'il rêve un jeune qui dit ça, que c'est qu'il voulait partir, mais pour inquiéter, parce que tout le monde qui dit ça, c'est juste pour la connaissance, pour la prêter, pour y aider le Dieu. Donc, on dit là, c'est là, quand on te met à aller, on peut toujours tourner. Pour moi, personnellement, sans vivre, je n'ai pas envie de l'autre. Je tout petit petit, moi, je n'ai pas envie de faire ça pour vivre sur eux. Je n'ai pas envie de tout faire situation ça parce que ça, tout le monde a supporté. Moi, personnellement, je dis pas de bras, continuer à prendre et que on gens pour demain tout se capable mais l'autre jeune qui n'a difficulté ça pour capable mettre toujours l'éducation parce que plus jeune qui éduqué plus gain jeune connaissant qui veut faire changement c'est l'espace là pour tout pays voilà. Et monsieur Nevelus, monsieur Nevelus, il n'est pas connecté à cause de problème internet. Bon, de toute façon, que moi, je remercie nous. Et que l'émission ça que nous avons avec nous, je dis à Pape Daniel. Ouais, et Pape Daniel, que c'était nous, et réellement pas de chance. Que les gens qui me disent non, moi, c'est pas, nous prenons des barres à la difficile. Très, très, très difficile. Mais études, étaient études. Plus étudier, c'est plus que vous avez des ouvertures. Et nous prenons que nous-mêmes, dans le Nord, nous sommes très intelligents. Malgré les difficultés, n'a pas étudié. Lève que Québécois nous coup, nous-mêmes Périgène Pio, Québécois nous, c'est pas pour que nous disions que nous remettons que pour nous mettre en la déconovalie. Parce que nous avons dit nous, études avec petit, avec un bébé, il n'y a pas toujours marché ensemble. Il n'y a pas marché ensemble. Mais si réellement on fait étudier, on a bien le temps, on a bien même propre temps même. Pour jouer tout bon bagage qui vient dans la vie. Mais, là que parents ont appelé ou déjà, à mon petit, dans mon aigle, depuis que, parfois, avec une aigle pour un petit, il va même dire, petit, toi, petit. Il y a là qui ont venu pour qu'on trouve avec lui. Donc, il y a un grand-père qui a commencé à appeler nous. Tout petit peu comme ça, nous sommes obligés de prendre, si nous voulons vraiment, un jour que vous nous tirez à la société ça. Ouais, à la société ça, parce que, à la vérité, plus, ma prédit encore, plus sont éduqués, plus sont bien plus de chance. Et là, on finit d'éduquer à tout. On peut choisir le monde que vous voulez. Là, vous avez bien plus de monde tout, qui pourrait être engagé avec vous, parce que vous connaissez que il y a engagé avec vous, ou réellement que c'est pas, c'est pas un beau défi seulement gain, ou gain connaissance dans le tout. Qui est capable de bon voyage. Ça, je dis très important. Et bien, chaque monde qui dit nous belle, pour nous croire que, bah, si c'est belle, faut commencer à être dans nos belles. Le même monde que belle, là, même le monde de belle, ça va venir à tête. Parce que les fois, ils disent nous belle, c'est juste pour avoir exploité nous. Oui, c'est juste pour avoir exploité nous. Ah, et lui, il a fait plus. Il a dit que faut nous connaître. Même les situations difficiles, il y a l'autre monde qui vit des situations encore plus difficiles parce que non. Qui réussit dans la vie parce que tu connais qui va que la parler. Vous connais qui va la parler. Parce que vous venez la cabane, non? Quand même, il y a professeur. Moi, qui a vécu peut-être que tu as l'examen. Que vous apprenez à qui ça. Quand même, il y a un monde qui va pas faire, non? Qui dit à vous occuper, non? Mais il y a plus de nous, vous remercie.
Mais si tu es bon pour tout, tu es tout, tu n'es pas capable de sortir. C'est tout ça que vous nous comprenez aujourd'hui, là, parce que nous comptons un peu dans nous-mêmes qui passe Regina. Regina dit nous tout bas ça déjà. Parce que nous faisons appeler l'émission avec des jeunes du collège Regina, les anciennes. Et que nous, c'est Regina, moi, qui va le temps de l'émission ça. Et que nous étions directrices de l'école là. Je ne connais pas nous, qui est-ce? Oui, qui est-ce? C'est qui est-ce? Sœur Virginia. Sœur Virginia. Il va attendre lui. Il fait que, comme moi, dis nous, nous n'avons pas de travail pour nous faire entre nous. Il va passer, il va passer pour tout le monde. Il va passer pour nous à l'étranger. Parce que quand on va appeler étudiant à l'étranger, il y a un étudiant à l'étranger qui crie, tu vois quoi. Et là, à l'étranger, soit comme on a pu lâcher pas vous. Ou non pays ou pas parler moi avec. C'est mon bagage facile dans notre culture. Mais, pendant que je dis nous ça, depuis que nous avons l'opportunité pour aller à l'étranger, pour nous faire une socialisation avec elle, si nous voulons qu'on allait tout, allez. Parce que ça vaut la peine. Il y a des moments difficiles, mais l'on finit tout. Et que ou entrer dans le pays, ou entrer dans le pays où l'on finit, ou bien que bon, il y a la sécurité tout côté que étudiant, mais que nous avons réussi très bien. Et bien, ok, encore une fois, c'était Frère Vito Bonnetop de la Radio Tristalité, que nous étions très contents pour nous rencontrer un groupe jeune du Cap Haïtien pour une émission à la Radio Tristalité. Encore une fois, un grand merci et bon dimanche. Merci. Ok, bye bye. Bye bye. Bye bye. Okay. Bon dimanche. Bon dimanche. Bye bye. En tout cas, on va rester en contact, hein? Voilà.
institution gen sa yo menm ki adopte li gen sa yo ki voye l jete gen lòt yo ki pran li yo bafoue li mesye yo preche l'union men ke yo gen trop vie pasou neg yo vle loi pou justice en pile nan yo se anarchis yon peyi kap lite yon peyi kap chante yon peyi kap mache cherche verite yon peyi kap lite yon peyi kap chante yon peyi kap mache cherche verite mais c'est qui